Et bonjour à tous, c'est Wolfid. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Shopkit. Alors ça sera vraiment une petite vidéo. Juste parce qu'ils nous ont mis un nouvel événement qui est l'événement d'Halloween. Voilà, où faut faire tout ça. Ah, connexion quotidienne, caisse à tirelire, faire des compliments, des fusions, des objets, etc., etc. Tout ça, ça nous permet de gagner des bonbons. Et avec ces bonbons, on peut avoir des récompenses. Alors j'ai déjà attaqué un peu, hein, voilà. Là, l'objectif, c'est d'atteindre les 500 pour avoir le plan des gants citrouilles. Mais voilà, après, on peut avoir des murs, des chapeaux, une pierre tombale pour votre belle-mère, des clés, une armure, etc., etc. Voilà, jusqu'à cet item-là qui est une arme. Ah, mais je sais pas si on l'aura, hein. Il faut faire 5000 bonbons quand même, hein. Hein, ça déconne zéro. Alors, on peut gagner des points donc en fabriquant des objets, tout ça, mais également en faisant des primes. Si on en fait assez, on gagne aussi des bonbons Halloween. Alors, on complimente les clients. Ah, c'est important. Ah, du coup, mes stocks d'armes ont fondu hein, ce matin. Je suis obligé de vendre beaucoup de choses. Voilà, ça nous a fait réussir la prime. Et on va en faire une autre parce qu'il faut en faire plein, 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 plein. Pommes de pin. Est-ce que j'ai envoyé des gens faire des pommes de pin? Je crois pas. Poudre de lune 8, c'est dur des plombes. Des gants de voleur. Bon, on va essayer de faire les gants de voleur. On a une journée pour les faire. Parce que, ben voilà, il faut utiliser du bois, il faut utiliser du cuir, il faut utiliser du métal. Et tout ce qu'on fabrique en fait nous permet de cumuler. De cumuler des points. Hop. Alors je suis à 4,8 millions sur 10 millions, dont j'aurais besoin pour agrandir ma boutique au niveau 40. Donc il me manque 4 petits niveaux. Mais ça avance plutôt pas mal. Ah, le compliment il a pas marché. Là-dedans. Bon, on peut faire mien. Voilà, tous mes collègues sont. Enfin, mes personnages sont en train de réussir des quêtes. Alors qu'est-ce que j'ai fait entre temps aussi? Ah oui, alors j'ai. Alors c'est pareil, c'est l'un d'entre vous qui m'a donné de conseils, j'avais jamais fait attention à ça. Mais il y a des raretés à débloquer dans les objets. Pour ça, par exemple, on va ici. Je prends un objet. On va là. Dans élévation. Bon là j'ai plus de plans parce que voilà, j'ai tout boosté. Et avec ces plans, on peut augmenter la qualité des objets. Ce qui nous permet d'utiliser moins de composants. D'avoir 10% de chance multiple, c'est-à-dire d'avoir deux boucliers au lieu de un. Et bien entendu, d'avoir une meilleure qualité des objets. Alors j'ai fait ça sur quoi là, forcément? On va pas les voir. C'est pas cela. Bah, on va voir ça dans les constructions. Alors. Là non, là non. Parce que bon, il y a. Voilà, voilà. Par exemple, mon Aubert et Code des Cages, je les ai montés au niveau 1. Mon armure de samouraï, pareil, au niveau 1. Et c'est surtout dans les armes que j'ai fait ça. Voilà, l'arc, je l'ai monté au niveau 3. D'ailleurs, hop, on va lui faire passer un niveau. Bref, ça vous permet de les vendre aussi plus cher. Et bon, comme on est là pour gagner de l'argent, hein. Alors, ça, c'est la quête de la sorcière. Parce que j'ai une quête de la sorcière qui est là, là, en plein milieu. Si je réussis à la faire, pareil, ça compte pour Halloween. Voilà, ils ont fait plein de petits événements comme ça. C'est plutôt cool. Et toi? Ah, c'était pas le bon personnage. Mais piquer un parchemin, c'est elle. M'en faut 8, j'en ai 5. Donc voilà, ces petits événements cool, qui coûtent très cher au stock de votre boutique, hein, parce que du coup, faut vendre en boucle le plus d'objets possible, etc. Hein. Alors, vous voyez ce que j'ai dit? J'ai eu meilleure chance et j'ai eu deux arcs, hein, une fois. Et voilà, donc là, je récupère 75 bonbons.
Bon, ça, je peux pas l'avoir, moi je paye pas le jeu, hein, donc tous les items en haut, je les aurai pas, hein. C'est hors de question que je mette des sous là-dedans, c'est un jeu détente. Même si là on essaie d'avoir le plus d'objets possible. On va fabriquer un peu des bijoux parce qu'il faut que je dépense du métal. Alors oui, il y a plein d'objets que je ne vends pas, tout simplement parce que j'ai quasiment plus de stock. Donc en fait, j'essaie de vendre quand même des petits objets en priorité pour refaire mes stocks de gros objets pour plus tard. Il me faut encore des gants de voleur. Oh, j'ai jamais vu ça. Mais donne-moi ça. Alors malheureusement, je ne peux plus enchanter mes objets, je n'ai plus de pierres pour les enchanter. Donc bon, ben... Bon, stock est attribut de fondu, mais par contre, voilà, quand vous enchantez votre objet avec une pierre d'eau, de foudre, d'air ou autre, et qu'en plus vous lui mettez une pierre d'esprit, bélier, vipère, aigle, etc., souvent votre objet il double, voire triple de valeur, hein. Alors si ensuite vous le majorez et tout, c'est top du top. Allez, complimente. Je te vends ça. Ça quand même. Collection. Ouais, de temps en temps j'en vais un petit peu quand même, mais bon voilà. En général je fais une vente sur 5-6 actuellement. Juste pour refaire mes stocks. Voilà, c'est. Ouais, mon étagère là, il n'y a plus rien dedans. Hein. Voilà, le contenu, hop, c'est le néant. J'ai rien en boutique, j'ai rien en stock. Voilà, ils m'ont acheté beaucoup d'herbes et tout ce matin, ils m'ont tout piqué. Mais c'est très bien, on est presque à 5 millions. Donc on va essayer de faire ces 5 millions ensemble. À 5 millions, je couperai la vidéo. Voilà, hein, mais bon, c'est sûr qu'en vendant des trucs à 290, on va rester longtemps. Hein. Fille-moi des sous. Voilà. Et il nous manque 51 000. On a fabriqué les gants. Parfait. Allez, encore une prime. C'est quoi ça? Raid de donjon. Ils sont pas dans la bonne grotte. 8 poudres de lune. Non, ça va prendre des plombes. Donc coûter pareil. Des réductions, bah ouais, bah je l'ai fait pour la quête, donc ça me fait double quête. Là, par exemple, on complimente, on fait réduction. Là, en fait, on valide deux étapes d'une quête, plus la prime, ça fait trois étapes. Voilà. Parce que c'est... Alors ça, c'est les compliments. Bon, les objets, ça va vite, hein, comme dépenser le fer et tout. C'est où, c'est où? Bah, je vous rassure, voilà, offrir des réductions au client. Voilà, faut que je fasse 40 réductions. Faut que j'obtienne 10 trophées de prime. Là, actuellement, c'est ce que j'essaie de faire, avoir les 10 trophées de prime en priorité. Je peux pas le faire. Comme j'ai plus rien, on fait quand même quelques parchemins. Fabriquer un objet. Là, ils m'ont tout acheté ce matin. Ah, ça avance. Plus que 8 000, les amis. Oh là là. Ça m'est tombé dans les bras. Et ça y est, on a 5 millions. Donc, je suis à la moitié de mon objectif qui est de 10 millions. Donc écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui, si ce n'est que voilà, il y a un super petit événement Halloween à faire. Les premières étapes sont très rapides, donc c'est cool. On récupère, voilà, à chaque fois la pierre est bloquée, hop, j'ai vendu quelque chose en boutique, parce que j'ai une quête aussi, où je suis obligé de mettre des choses en boutique pour gagner du fric. Voilà. Parce que voilà, ça fait partie des primes disponibles dans le jeu. Donc je vends. Alors je vends certainement à perte par rapport à si je les vends moi directement de ma boutique. Mais voilà, il faut quand même que je cumule les choses. Donc j'ai pas trop le choix. Hey, on va bosser. Voilà, du coup, hop là, on a réussi à gagner. Et les quêtes, elles se remettent en boucle. Donc là, la butin sucrée, elle a dû se remettre quelque part. Voilà, elle est ici.
Maintenant, il faut que je récolte 500 objets. Donc, en fait, ben, on vise les quêtes les plus simples. Et les plus simples, ben, c'est de complimenter vos clients, de majorer les prix, de baisser les prix et de ben, d'utiliser un maximum de bois et de métal dans la fabrication de vos objets. Donc, par exemple, moi, quand je fais des armures, actuellement, je prends les armures les plus élevées. Alors, celle-ci, je ne peux pas la faire parce que j'ai plus d'aubaine. Donc, je fais une aubaine. Et quand l'aubaine est fabriquée, je fabrique, enfin, je fabrique une cotte de fer. Et quand elle est fabriquée, je fabrique un aubaine. Ce qui me prend 30 morceaux de métal. Voilà. Bah, écoutez, je vous encourage à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien rater. N'hésitez pas à partager les vidéos sur vos réseaux sociaux. À l'heure où je fais cette vidéo, on est passé de 29 abonnés à 40 abonnés. Donc, je suis extrêmement content. Alors, c'est vrai que c'est pas énorme tout ça, mais moi, je suis très très content d'avoir ce type d'abonnés parce que vous êtes peut-être pas nombreux, mais vous êtes super sympa à chaque fois. Vous êtes toujours plein de bienveillance et tout. Vous mettez des petits commentaires sympas régulièrement et tout. Et ça franchement, c'est super sympa. Donc, je vous en remercie. Et nous, ben, écoutez, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et surtout, portez-vous bien. Bye bye les amis.